après avoir gagné un concours à Star Academy il y a quelques années, en fait, probablement, ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, elle revient de Londres, elle a habité à Londres durant 3 ans. Parce que c'est à Londres que tout se passe, si on veut un jour arriver à quelque chose. Elle est vraiment contente de son voyage, elle a rencontré tellement de gens importants. L'ancien guitariste des Smashing Pumpkins, le batteur de l'ancienne formation, de l'ancien bassiste de Radiohead ou Dover, et aussi le producteur qui a été le premier à remarquer Nirvana, Pearl Jam, en fait la ville de Seattle. Un gars vraiment sympathique, vraiment drôle, un peu nerd, avec des lunettes, en fait super, super le fun. Elle a des connexions directes avec le ENR de Universal, EMI, Sony, Capitol, DreamWorks, Virgin et Naïve. While she's talking, she don't get that. Everybody just want to leave. Extraordinaire, surtout celui-là avec qui elle a travaillé pendant 1 an, mais ils ont été obligés de laisser tomber parce que le musicien en question est parti avec sa copine faire un projet et tout est tombé à l'eau, mais ils étaient sur le point de signer avec Universal, EMI, Sony, Capitol, DreamWorks, Virgin et Naïve. Fuck! Why she's stuck, she just don't get that, everybody just wants to leave. Et il y a un mois, elle a rencontré ce producteur, lui a dit qu'il était très intéressé, en fait, si elle faisait un démo. Alors, elle est en train de enregistrer ce démo avec ses musiciens qu'elle a trouvé, qu'elle a mis ensemble, et qui sont maintenant des complicités extraordinaires, avec qui ils comprennent exactement ce qu'elle veut faire, qui est un son vraiment particulier, qui bientôt sera massive, big, on the air. Everybody wants to leave. Elle a rassemblé ses musiciens, les intéressés à faire ce démo pour ce producteur qui attend. Everybody wants to leave. De retourner à Londres avec quelque chose en main qui montre à peu près le son qu'elle veut à ce producteur qu'elle a rencontré et qui attend des nouvelles, qui attendait quelque chose d'un peu plus développé, et aussi de faire une pratique live avant d'aller dans un marché plus international. Elle a des centaines de chansons sur son laptop. Elle a téléphoné en fait dernièrement à ce type qui veut absolument les entendre, et en fait ça n'a pas marché parce que le type a décidé de se partir un projet, je crois, de yoga à New York ou quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est que everybody wants to leave. Alors elle continue de parler, elle nous raconte ce type qu'elle a appelé il y a une semaine à Paris et à qui elle a raconté tout ce qu'elle avait vécu à New York, tous les gens qu'elle avait rencontrés à New York, à Los Angeles et à Londres, principalement cet ancien guitariste de l'ancienne formation des Smashing Pumpkins et ce drummer qui avait fait partie des Smiths et qui maintenant fait comme une espèce de studio de punk super extraordinaire, après un son pas possible, ils ont eu tellement de fun. Alors le gars lui a dit, mais oui, écoutez, pas de problème, quand vous allez être à Paris, mais appelez-moi. Alors elle est en train de préparer ce démo. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout ça, c'est pas exactement ce style-là, et elle sait exactement ce qu'elle veut, le son, elle sait exactement ce dont les gens maintenant, worldwide, ont besoin d'entendre. Elle sera un jour massive, huge, big. And she just don't get what she's talking. Everybody wants to leave. Hey, Jacques! Hey, how are you? Hey, DKD. Hey, how are you? Donald. Fuck, man. And you're enjoying the show, man? It's good, yeah.